Les amis, c'est Billy de PokéSession, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve parce que je me suis déplacé. J'ai été faire quelques magasins, voir si je trouvais du Célébration. Et je peux vous dire que ma récolte a été très maigre, les amis. Je vais tout vous montrer dans la seconde partie. Donc n'oubliez pas de regarder les vidéos jusqu'au bout, de mettre un maximum de pouces bleus, de vous abonner, d'activer la cloche, les amis. Vous savez que tout ça, c'est super important pour soutenir la chaîne. C'est gratuit en plus, donc vous pouvez y aller, les amis. Ça me fait super plaisir. Et puis après, on se retrouve dans les commentaires. Et puis maintenant, on peut y aller, les potes. Comme je vous le disais les amis, je me suis déplacé, j'ai fait 80 km pour trouver quelque chose. Bon, j'ai trouvé quelques petites choses, je vais vous montrer. Donc tout d'abord, je vais vous montrer ça déjà. Ce qui est vraiment pas mal, c'est les deux petites mini teams de Célébration où il y a deux boosters dans chacun, plus un booster, enfin deux Célébrations et un règne de glace. Et j'ai trouvé aussi un petit coffret Raichu, donc, qui est vraiment très joli et les promos sont magnifiques. Et dedans, il y a, je crois, 5 boosters de Légende Brillante. Mais j'en ai pas qu'un, j'ai réussi à en prendre deux les amis. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Donc c'est vrai que c'est pas énorme, mais c'est mieux que rien après 80 km. C'est le minimum que je dois faire pour trouver du Pokémon hein, les amis. À part internet, après ça devient très très compliqué. Donc aujourd'hui je vais pas ouvrir de Raichu, on verra plus tard les amis. On verra ça très très bientôt. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'ouvrir les deux mini tins. Alors je sais que hier j'ai chopé le Dracaufeu, donc déjà c'était magnifique. Voilà, je suis très très content d'avoir eu une deuxième fois ce Dracaufeu, hein, vous le savez. Mais vous savez aussi que je suis un petit peu déçu parce qu'il y a un point blanc. Voilà. Et comme vous, il y en a beaucoup parmi vous dans la vidéo d'hier, justement, vous m'avez bien confirmé qu'effectivement la plupart avaient des points blancs et quasiment au même endroit. Et l'autre Dracaufeu que moi j'ai en perso, en fait, ils ont exactement le point blanc au même endroit. Par contre, il y en a un autre dans les commentaires qui m'a dit qu'il lui n'avait pas de point blanc. Et c'est très très rare. Et je pense que ça va jouer sur la valeur de la carte, les amis, ça. Donc, j'espère. Alors, sur Dominitine, ça me paraît un peu compliqué de tomber encore sur un Draco. Un petit Dracaufeu, ça serait bien. Mais bon, là, maintenant, il me faut le Noctalie, le Magikarp brillant. Il y a quoi encore? Ça, c'est les deux principales cartes que je veux, quoi. Donc là, aujourd'hui, on va ouvrir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir de suite les deux mini-teams. Et je vais prendre que les boosters Célébration. Pour la simple raison, c'est qu'avec tous les coffrets qui ont été ouverts, notamment pour les box break et tout ça, et ben en fait, les boosters Reine de Glace, je vais essayer de reconstituer un display entier, 36 boosters. Et comme ça, après, on se l'ouvrira en vidéo, les amis, et on verra si le drop peut être bien sur ces... Donc, il y a aussi il y a du style de combat. Donc, je ne sais pas combien j'ai de Reine de Glace et de style de combat, mais ça sera intéressant de voir s'il y a des hits qui peuvent vraiment tomber. On peut avoir un quota, une petite estimation de quota, vous voyez ce que je veux dire, je vais embégayer. Donc, les deux Reine de Glace, on se met de côté, et là, on a les 4 célébrations. Alors là, on passe sur l'autre cam, les amis. Là, j'espère qu'on va avoir du lourd. Il faut aller juste le Noctalie, Tortank et tout ça, j'ai déjà. Qu'est-ce que je pourrais prendre à avoir d'autre? Bah, évidemment, le Magikarp. Je me rappelle plus lequel qui me manque encore. Je sais plus, là, de tête. Hop. Alors, on commence par le petit OO, qui tombe tellement de fois que maintenant... hein, le Lugia, bah, de toute façon, toutes ces cartes-là... Ah, tiens. Un admin roquette, direct on tombe sur un petit banger. Bon, c'est pas le gros hit, mais c'est un petit reprint vraiment sympa. Est-ce qu'on a quelque chose derrière? Et on n'a rien. Un petit Sol Galéo, bah écoute, ça va aller. Alors je l'ai eu qu'une seule fois, donc à la limite, je vais peut-être le garder, ce deuxième admin roquette. Bon, premier booster, on a quelque chose, c'est pas dingue. Mais bon, il en reste 3 boosters. L'idéal, ce serait vraiment... Allez, Dracaufeu, Noctalie, bon, je m'en répète, je sais. Il y a aussi les... Peut-être qu'un de ces quatre, j'aurais bien trouvé du booster 25 ans en japonais. Je ne sais pas si vous avez vu les dernières vidéos de David K, il a chopé alors, des trucs, laisse tomber. Bon, donc c'est des boosters promotionnels où dedans, il y a les starters qui ne sont pas dans le display des 25 ans japonais. Et il a eu une chance, le David. Maman. Et là, moi j'ai pas de chance là, un Xerneas, et on a un petit hit, un petit Pikachu surfeur. Bon, c'est un Pikachu surfeur quoi, ça c'est le... Pareil, il tombe tellement de fois que, bon, il n'y a même plus besoin de... Ça, tu vois, par exemple, c'est quelque chose qui ira certainement dans la Luckbox.
parce qu'on sait jamais, hein, si vous avez... parce que je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à trouver du Célébration, ou sur Internet, où les prix sont ultra chers. Hein, on va pas se le cacher, c'est abusé. D'ailleurs, si parmi vous, là, quelqu'un a la gentillesse de me contacter pour m'avoir un plan sur un ultra premium, franchement, ça serait juste dingue, au bon prix. Bon, je peux mettre un petit peu plus pour parce que voilà, mais pas du 500 euros, quoi. Je vais bien trouver un petit ultra premium à un bon prix. Franchement, ça serait top. Et un petit Zacian V. Pareil, le Zacian V, bon, c'est une carte qui tombe régulièrement, mais qu'il faut avoir pour faire le set. Voilà. J'ai bientôt terminé. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires où vous en êtes, hein, de votre set. Je parie qu'il y en a parmi vous qui l'ont déjà terminé. Et là, on passe au dernier booster de Célébration. Et après, j'aurai quelque chose à vous dire après ce booster-là, les amis. D'ailleurs, à propos de ça, n'oubliez pas que vendredi, il y a le box break de Célébration et du Duo de Choc et du Évolution Céleste. Donc j'ai fermé les ventes, parce qu'il y en avait déjà quelques-unes, je voulais pas faire une très grosse vidéo. Mais je vais vous dire autre chose après, ce petit booster, on va apprécier, voir s'il y a quelque chose. Et malheureusement, non. Attends. Eh ben non. Cosmog et rien. Ah, malheureux. Bon, bah ça, c'est pas des boosters de dingue. Hein. On repart avec deux petites V et le petit admin Rocket. Bon, ok. C'est pas mal, mais c'est pas dingue. C'est pas deux minitines très rentables, les amis. Donc voilà, les amis, pour ces petits boosters. Donc les deux reines de glace, on se les gardera pour une prochaine fois. Vous inquiétez pas, j'oublie pas, je vais essayer de. J'ai pas de display vide, donc je verrai si j'arrive. Je mettrai dans un petit carton, voilà. Ou dans un autre display qui n'a rien à voir avec reine de glace. Pour vendredi, donc il y aura du Célébration, du Hot Choc et du Évolution Céleste, mais ça c'est clôturé en termes des ventes. Par contre, j'ai ouvert hier, j'ai remis 40 tripacks Évolution Céleste pour le box break du 12 novembre, donc c'est vendredi pas prochain, mais celui d'après, de la semaine prochaine, où donc il y a 20 BK glaçons et 20 Noctali, donc il y en a déjà quelques-uns qui sont partis. Donc si vous voulez participer à ce box break, allez-y franchement les amis, parce qu'il y en a qui sont partis avec des VMAX, des secrets, des gold, des alternatives, la carte à 200 euros, alors que la personne avait pris que 2 tripacks par exemple, quelque chose comme ça. Donc c'était ultra rentable, donc si vous voulez faire plaisir, eh ben, allez-y, le lien est en description les amis, vous trouverez, c'est dans ouverture en vidéo, et vous verrez ce qui est disponible. Donc là pour le moment il ne reste plus que les tripacks, je les ai mis hier, il en reste, donc allez-y, vous faire plaisir. C'est 4 illustrations par personne, donc vous pouvez prendre 4 de chaque, donc ça fait 8 au maximum que vous pouvez prendre. Ça peut être l'occasion de repartir avec plusieurs hits, les amis, hein. Vous savez, il y en a qui sont partis avec des très très gros hits, les amis. Donc voilà, je compte sur vous pour votre soutien, mettez un maximum de pouces sur cette vidéo, mettez un petit commentaire. N'oubliez pas de lâcher votre like, les amis, de vous abonner, d'activer la cloche, vous savez que c'est hyper important. Et de toute façon, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très bonne journée, les potes.